monsieur le pharmacien. Ah, Chini. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore cette fois-ci? Ta grand-mère. Encore ta grand-mère? Sa maladie a recommencé ce matin. Oh. Ok, donne-moi une minute. Ok, tu vois ces médicaments? Quand tu vas arriver à la maison, donne-lui deux. Ok. Deux dans l'après-midi. Ok. Et celui-ci, deux dans la nuit. Assure-toi qu'elle mange bien avant de lui donner ses médicaments. Merci. Bonjour, Maman Yoruba. Bonjour. De la nourriture. Si c'est pour le crédit que tu es venu aujourd'hui, je ne vais pas te le donner. S'il te plaît, ma grand-mère est très malade. S'il te plaît, s'il te plaît. Maman Yoruba, s'il te plaît. Maman Yoruba, donne-lui à manger, je vais payer. Tu es sûr que tu vas me donner l'argent? Je ne comprends pas. Donne-lui la nourriture, tu me demandes si je veux te donner l'argent. Est-ce que je te dois d'abord? Madame, donne-lui à manger. Diakou, je te remercie. Merci. S'il te plaît, donne-moi de l'eau. Ce riz est vraiment climatique. Ce riz est pour Samaritain. Bien, bien. Merci, oh. Diakou, merci, oh. Dis-lui de nous ajouter de la nourriture. Que le tonnerre te frappe. Mais demande-lui de nous ajouter une viande. Mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Ah. C'est quoi? Arrête-moi ces bêtises. Mais tu as donné à manger. Tu as donné à manger à une femme. Mais est-ce que vous êtes des femmes? Mais donne-nous quelque chose. Monsieur, ne sommes pas tous ici. Que le tonnerre te frappe. Arrête-moi ces bêtises. C'est mec. Monsieur Jekou. N'importe quoi. Maman, mange d'abord. Mange avant de prendre les médicaments, oh. Ok. Maman. C'est bon. Oh, c'est bon. Ça suffit. Eh, pardon. Ça suffit. Maman, ça suffit. Est-ce que ça suffit? Que je souffre pour avoir ça. Ça suffit. Ça suffit. Maman, juste une dernière, non? Juste une. Ok. Merci. Laisse-moi te donner ceci. Ah. Oh, yeah, tiens. Maman, prends, non? Voici ton nom, prends. Comment tu as fait? Maman, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Juste prends. Prends juste, oh. S'il te plaît, prends. Aïe! C'est trop. Mais non, regarde. Ton cou est brûlant de fièvre, s'il te plaît. Aie pitié de moi, non, s'il te plaît. Vas-y, prends-le. S'il te plaît. Vas-y, bois de l'eau. Eh oh. Merci. Ça va aller. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tu iras bien. Tu iras très bien. Repose-toi maintenant. Je suis couchée depuis. Laisse-moi m'asseoir un peu. Repose-toi. Maggie? Maggie? Oui? Viens là. Quoi? Whitney, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est quoi le problème? Elle m'a servi un café froid. Est-ce que ça justifie ton action? Je te pose la question. S'il te plaît. Non. Elle devient incontrôlable et il est grand temps qu'on la maîtrise. C'est bon. Maintenant, excuse-toi. Je dis, excuse-toi. Whitney, tu ne vas pas désobéir à ton père, n'est-ce pas? Désolée.
C'est bien. Où est son sac? Apporte-le rapidement, rapidement. D'accord, madame. Mon cœur. Ne t'en fais pas. Je serai dans la voiture. Où es-tu? I may not know what tomorrow brings, so but I'm sure that it's here. Weeping may last for the night. Nous le savons tous, la démocratie dans sa forme la plus simple, est un régime au sein duquel le peuple exerce lui-même sa souveraineté. David ! David ! S'il te plaît, appelle David pour moi. Je ne dors pas. Je n'ai pas demandé si tu dormais ou pas. Je veux juste savoir pourquoi tu as l'esprit ailleurs en classe. Je suis désolé. Tu ferais mieux de l'être. Classe, comme je le disais, la démocratie.
David, tu n'as jamais eu l'esprit ailleurs en classe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien de sérieux. David, tu peux m'en parler. Nous sommes amis. Laisse tomber, je vais bien. Ne te dérange pas. Si tu sais que notre amitié compte, dis-moi ce qui ne va pas. Je pourrais t'aider. N'as-tu pas remarqué que Chili n'est pas à l'école aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est malade ou autre chose. Eh bien, c'est son problème. Pas le mien. Oui, je ne sais même pas pourquoi tu te gênes pour cette pauvre et misérable fille. Elle est dans cette école à cause de sa bourse. Hey, si ce n'est pas sa bourse, alors... Peux-tu arrêter avec ces injures? Le fait qu'elle sorte d'une famille pauvre ne la rend pas moins humaine. C'est notre camarade de classe. Eh bien, elle ne devrait pas se prendre la tête. Parce qu'elle ne nous arrive pas à la cheville. Comment ça? C'est une fille très brillante, la plus intelligente de la classe d'ailleurs. Je ne suis pas une nularde. Raison pour laquelle tu dois arrêter de la voir comme une adversaire. Elle ne peut pas être mon adversaire. Je ne l'aime pas juste, je déteste son cran. Et toi, tu crois qu'elle se soucie de tout ce que tu fais? Elle est juste ici pour apprendre et partir. Je pense que tu devrais faire pareil. Excuse-moi. C'est bon. Alors on fera. Moi, je la déteste. Elle cessera d'exister. Pourquoi elle? Pourquoi? Cette sale et misérable fille des bidonvilles. Maintenant, David est de son côté. Il se soucie d'elle et lui donne de l'attention. Une vulgaire étrangère qu'il a rencontrée à l'école. Alors que nous sommes des amis d'enfance depuis la maternelle et le primaire. Je ne te donnerai pas de la paix, Jimmy. Jusqu'à ce que tu quittes cette école pour nous. Tu n'appartiens pas ici. Pas du tout. Je t'assure, tu me manques beaucoup. J'aime passer du temps avec toi. Alors, quand iras-tu? Tu iras cette semaine? Oui. Je veux passer du temps avec toi.
Whitney, peux-tu s'il te plaît dégager de mon chemin? Non. Espèce de sale porc puant des bidonvilles. Retourne chez toi, tu n'es pas ici. C'est quoi ton problème? Viens-tu de me gifler? Je vais encore te gifler. Si tu n'arrêtes pas, qu'est-ce que je t'ai fait dans cette école? Je vais te montrer ce que tu t'es... Non. Grand frère, du coup. Bonjour. Non. Je t'ai pourtant dit de ne plus m'appeler grand frère. Quand on m'a couché, on ne m'a pas donné le nom de frère. Je m'appelle Tieko. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien aussi. Ok. Grand frère, du coup, merci pour l'autre jour. Si ce n'était pas toi avec ma grand-mère, je ne sais pas comment j'aurais fait. Oh, mais je te l'ai déjà dit. Mets le nom grand frère de côté, hein? Appelle-moi Tieko. Okay. Oublie l'autre jour. Dis-moi, comment va ta grand-mère? J'espère qu'elle se porte mieux. Elle se porte mieux. Elle se porte bien. Elle est déjà bien portante, grâce à toi. Ne t'en fais pas. C'est rien. Grand frère Dieu, s'il te plaît, je suis en retard pour l'école. Je dois commencer à partir. On se verra plus tard. Ok, donc. D'accord. Jolie fille. Tchaï. Bonne fille. Grand-mère. Ah ah. Mon enfant. Hmm? Tu es prête à partir? Oui, maman. D'accord, ma fille. Mais, maman, tu n'étais pas censée te reposer, considérant le fait que tu es encore convalescente. Je vais bien. Je veux juste arranger ceci. Ça fait longtemps qu'on les a apportés. Ne t'en fais pas. Je vais bien. Ok. Mais ces gens, ils savent que tu étais malade, non? Ils comprendront. C'est d'abord ta santé, oh. Mon enfant, ne t'en fais pas. Tu vois ce que je fais maintenant? Ça va m'aider à guérir plus vite. Oui. Et ça m'aidera aussi à exercer mes os. J'irai bien, ne t'inquiète pas, oh. Ok. Pas de problème, si tu le dis. Mais s'il te plaît,
tes médicaments. N'oublie pas de les prendre. Okay. C'est à côté du tiroir. À côté. Okay. C'est là-bas, je les ai laissés pour toi. Oh, et ton abatia. Je l'ai trempé pour toi. Oh. Quand tu auras faim. Jai. Maman. Iziboma. Dieu va te bénir Amen, pour moi. Amen, maman. Ma. Eh oh, madame. Maman, plus tard. Sois sage. Mmh. Ne te stresse pas avec écoute, ça. Écoute, écoute, je professeur. Comme je le ça, ferai. Tu pourras être ma fierté. Oui. Hey. Fini, tu vas à l'intérieur te reposer. Oh. Je le ferai, je le ferai. Hey. Oui, Hey! Désolé. Désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé, vraiment désolé, excuse-moi. Désolé. Je m'excuse vraiment. Alors, classe, c'est mon devoir de continuer de mettre l'accent, le répéter et le souligner dans vos oreilles. Pour que vous soyez préparés à vos prochaines compositions qui se tiendront bientôt. Je ne veux aucun échec dans cette classe. Bonjour, Madame Kemi. Chiney, pourquoi es-tu habillée ainsi? Où est ta tenue? Et c'est beau! Et pourquoi es-tu habillée comme ça? Qui t'a laissé entrer dans la scène de l'établissement? Tu sais quoi? Va dans la salle du personnel et attends-moi là-bas. Nous devons vraiment parler. Oui, madame. Alors, classe, comme je le disais, encore un seul rire venant de vous et vous allez sortir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est une longue histoire, mais c'est bon. J'ai du temps. C'est la pause, alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Triste. Mais tu aurais dû dire à Madame Kimi. Au moins, elle t'aurait comprise. C'est juste que tout le monde me regardait en classe. Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais juste rien dire. Cela veut dire que tu as juste une tenue de classe? Tristement, oui. Et bien que ma grand-mère m'ait promis de me coudre une nouvelle tenue d'école, je sais que tout ira très bien. Ça va aller, d'accord? Je dois aller voir le professeur de mathématiques. Il a dit qu'il voulait me voir à la pause. On se voit plus tard, ok? D'accord. J'espère que tu as l'argent de déjeuner parce que je ne te vois avec rien en main. Oui, j'en ai. C'est dans mon sac, en haut. Je te verrai plus tard. Où est-elle? Je lui dis que je ne dirige pas une organisation de charité dans cette ville. Oh, Monica, te voici. Où est mon argent? Monsieur le bailleur, bonjour. Écoute, garde tes salutations, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, mon argent. Et c'est la raison de ma présence ici. Alors, donne-moi mon argent et je m'en vais. Monica, n'as-tu pas honte de toi? Dis-moi pourquoi refuses-tu de payer ton loyer depuis 4 mois? Hein?
Ou alors tu as décidé de rester chez moi gratuitement. Non, rassure-toi, cela n'est pas du tout possible. Je refuse. Non, monsieur le bailleur. Je ne peux pas faire ça. C'est juste que... les choses ont été très difficiles pour moi. Je viens de sortir d'une maladie. Je vais vous payer la semaine prochaine. Toi et tes semaines prochaines qui ne finissent jamais, tout le temps la semaine prochaine. Toujours la semaine prochaine. Monica, écoute. Pourquoi c'est tout le temps la même chose la semaine prochaine? N'as-tu pas de famille ou quelqu'un qui pourrait t'emprunter de l'argent? Écoute, Monica, je reviendrai ici dans 2 semaines. Et quand je reviendrai ici dans 2 semaines et que tu es incapable de me donner mon argent, Monica, je vais te foutre à la porte et mettre ma maison en location. Hey, monsieur le bailleur, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu supplies encore? Tu as dit la semaine prochaine et je t'en donne 2. Je comprends pas pourquoi tu supplies encore pour quoi que ce soit. Je te donne 2 semaines. Écoute, Monica, n'as-tu pas honte de toi? Sais-tu ce que signifie ton nom? Monica, c'est un nom pour les femmes fortunées. Les dames qui ont de l'argent en abondance. Regarde-toi, tu t'appelles Monica. Même le moins de sous, tu n'as pas. 2 semaines, Monica. Si je reviens ici, assure-toi d'avoir mon argent avec toi. Weeping may last for the night. Trouble may last for a while. I know no condition is permanent. Maka, pity, Maka. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous moquer d'elle? Quelle pitié! Tu manges ça au déjeuner? Et tu pars quand je pars? Et tu me défies? Même ma servante mange mieux que ça! Whitney, qu'est-ce que tu veux encore? Je ne peux pas avoir un moment de paix dans cette école. Non! Tu n'auras pas de paix tant que je te verrai, Tini. Tu n'auras jamais la paix. Tu es méchante. Les méchants n'auront pas de paix. Dégage! Quitte cette école! Je ne veux plus jamais te revoir. Tu n'appartiens pas ici. Va-t'en, va-t'en! Tu ne m'as pas mise dans cette école. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas mise dans cette école. Tu dois te mettre ça dans la tête, Whitney. Arrête ça. S'il te plaît, j'ai déjà eu ma dose. J'ai beaucoup de choses dans ma tête en ce moment. Reviens ici. Où comptes-tu aller? Où comptes-tu aller? C'est moi qui parle et je partirai quand j'en aurai terminé. Pour qui est-ce que tu te prends? Qui? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Whitney, qu'est-ce que tu lui as fait? Je te demande ce que tu lui as fait! Elle m'a giflé. Quoi? Pourquoi l'as-tu giflé? Tu es chanceuse. Tu es chanceuse qu'aujourd'hui il t'a sauvée, comme l'ange qu'il est. Tu es très chanceuse, mais la prochaine fois tu ne seras pas. David, le plus tôt tu te concentres, le mieux ce sera pour toi. Ginny, c'est ça que tu as mangé? Oui. Et si j'achetais ton déjeuner? C'est bon, ne t'en fais pas. Non, j'insiste, laisse-moi t'acheter à manger, c'est rien. Ok? David, c'est bon. J'insiste, j'aimerais t'acheter ton déjeuner. Garde ça, ok? Viens. Ça va aller.
Whitney, ta mère m'a dit que tu avais une mine bizarre depuis que tu es rentrée de l'école. J'espère que tout va bien. Est-ce que ça te dérangerait de partager ce problème avec nous? Mon amour, tu sais que nous t'aimons beaucoup. Nous pouvons tout faire pour toi. Parle-nous, s'il te plaît. C'est quoi le problème? C'est David. David? David? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons que David est ton meilleur ami à l'école. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me manque de respect en étant toujours avec la clocharde de notre classe. Il la préfère à moi. À chaque fois que nous sommes à l'école, il se comporte comme s'il ne savait pas qui je suis. Je vais arrêter de lui parler. Oh, ma fille, ne t'en fais pas, je vais gérer ça, ok? Je vais en parler avec la mère de David. Je vais lui dire de parler à David. Ouais, je... S'il te plaît. Je vais arranger ça. Est-ce que tu veux ton préféré? Comme ça, je pourrais dire à la ménagère de t'apporter ton préféré ou tu veux rentrer dans ta chambre. Veux-tu rester ici? Je t'en prie, appelle la ménagère pour... Ok. Pour son plat favori. Mon bébé, souris pour moi. Souris. Ça, c'est ma chérie. Maggie? Maman, 12 000 naira. Où sommes-nous censés avoir une telle somme d'argent pendant juste 2 semaines? Je ne sais pas. Honnêtement, mon enfant, je ne sais pas. Et nous ne pouvons pas supporter de vivre sous le pont également. Je ne sais pas de quelle autre manière supplier le bailleur. Je ne peux pas avoir cet argent en moi. Je ne sais pas pourquoi ceci nous arrive. Je ne sais pas pourquoi ceci arrive maintenant. Je ne sais pas. Maman, tu n'as pas de la famille? Aucun membre de la famille pour nous aider? N'importe qui que tu connais. En avons-nous? Et nous souffrons de la sorte. Est-ce que tu penses que j'aime souffrir? Est-ce que tu crois que j'aime la situation dans laquelle on se trouve? Quand j'ai perdu mon mari, sa famille m'a mise dehors. Et ils ont pratiquement tout pris. Ils ont refusé de m'accepter à nouveau. Parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec le mariage. Personne, mon enfant. Personne. Je ne nous laisserai pas aller sur le pont pour dormir. En aucun jour, maman. Je vais trouver un moyen. Maman, je vais trouver un moyen. Nous allons survivre. Maman, nous allons survivre. Oh, oh, nous allons survivre. Réveille-toi. Laisse-moi te conduire à ta chambre.
Maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a, non? Pourquoi? Pourquoi la vie est si injuste avec moi? Pourquoi? Suis-je la pire pécheresse sur la terre? Ne suis-je? Pourquoi ne puis-je pas avoir un moment? Juste un moment de joie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on traverse l'amertume, la misère, tristesse? Pourquoi est-ce que la vie me traite ainsi? Pourquoi? Maman, arrête ça, s'il te plaît. C'est bon. N'es-tu pas la même personne qui m'a dit que toute chose arrive pour une très bonne raison? Maman, peu importe ce que nous traversons, ça arrive pour une bonne raison. Ce qui compte, c'est comment nous allons rester fermes. Ça nous rendra juste des meilleurs humains, maman. Je sais que nous allons surpasser ça. Maman, je t'en supplie, ça va aller. Ça ira. C'est trop pour moi de supporter encore. Je n'en peux plus. Je suis brisée. Je suis brisée. Je suis brisée. Maman, ça suffit. Est-ce que je me plains, maman? Maman, est-ce que je me plains? Je ne me plains pas. Regarde-moi, je ne me plains pas. Ça va aller. Oh, ça suffit, non? Je suis désolée. Je suis désolée, mon enfant, de te faire traverser ça. Maman, ça va. Je suis désolée. C'est bon, maman. Je suis désolée. Je suis désolée. 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 Maman, ça va aller. Désolée. Désolée, mon enfant. Désolée. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu vois la fête dont je t'ai parlé? Vraiment? Tu viendras avec moi. Vraiment? Ce sera génial. Waouh! Donc nous allons aller là-bas. Ah! J'ai il y aura assez à boire, assez à manger, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Hâte. Oh, on va bien s'amuser. Waouh! Ça va chauffer. Qu'est-ce que tu vas porter? J'ai une tenue dans mon placard. Elle est très sexy. Waouh! Très jolie et sexy. Je ne te l'avais pas dit? Non. J'ai dû oublier. Si tu vois cette tenue, tu vas l'adorer. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Je vais porter une courte jupe avec un sexy petit bustier et un chapeau. Ah, ok. Ce sera très joli. Okay. Tu sais que j'aime porter les talons. J'aime ce genre de choses. Qu'est-ce que tu vas porter comme perruque? Mais ma péruvienne, non. Ah, celle qui arrive ici. Ma péruvienne, assez celle qui toi, arrive ici. Viens la brosser, ok? Celle qui arrive ici. Tu connais cette perruque, Tatao? Oui, ma chère, tu as terminé? Oui, Tantine. Oh, c'est bien. Ok, prends ça et achète ce que tu veux, ok? Ok. Merci. Merci, Tantine. Eh bien, c'est comme je te le disais. Cette perruque, ma péruvienne. Ah, chérie, attends. Attends, j'ai quelques habits pour toi. Attends, laisse-moi aller les chercher.
Aujourd'hui, maman. Aujourd'hui. Ma fille. Est-ce que tu es en train de dire que tu as fait 3000 naira en une seule journée? Non, Chini, écoute. Demain, tu devras te reposer. Parce que je ne veux pas que tu tombes malade. Non, maman, non, pas de repos. Je suis une fille très forte. Je peux gérer ça, maman. Jamais. Me reposer et faire quoi? Regarde, ma fille, tu es une enfant, tu ne comprendras pas. Tu vois ce travail que tu fais tous les jours. Regarde, ça pourrait te faire chuter. Tu pourras tomber malade. Et je ne veux pas qu'une telle chose t'arrive. Maman, rien ne va. Écoute, ma fille. Je pourrais parler au bailleur. Je vais le supplier comme ça, on pourra payer petit à petit. Non. Jusqu'à ce qu'on finisse de payer. Comme tu as déjà quelque chose que tu fais. Maman, non. Oh, mais... Je ne veux pas que quelque rien chose rien ne va arriver. Maman, je ne peux pas me reposer. Me reposer, non, pour faire quoi? Maman, regarde, si je travaille comme ça, au moins pendant une semaine, cet argent sera plus que ce qu'on doit au bailleur. Maman, je ne veux pas qu'il vienne te mettre la honte ici. Regarde comment il te parlait la dernière fois. Je suis sûre que si je continue de travailler comme ça, tu sais, une semaine, deux semaines, nous allons tout le payer. Mais il n'y a pas de mais qui tienne, maman, il n'y a pas de mais. Ne dis pas mais, s'il te plaît. Je vais bien. C'est juste une question de temps, tout ira bien, ok? Chai. Ne réfléchis pas trop. Chai. Ma fille. Oui, maman. Que le bon Dieu te bénisse. Amen. Qu'aurais-je pu faire sans toi? Rien du tout. Regarde, Dieu continuera à te bénir. Amen. Tout ira bien pour toi. Amen, tout maman. Ira bien Amen. Pour toi. Tout ira Amen. Bien pour toi. Tout ira bien pour Amen. Toi. Amen. Maman. Mange, pardon. Vas-y, mange. Ça va aller. Tout ira bien. Amen. Il vient pas à la maman n'importe comment. Amen. Mais pourquoi? Il te parle n'importe comment. Ne t'occupe pas. S'il te lui. Plaît. Il saura juste que j'ai une fille travailleuse et. Maman. Salut. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien. Pourquoi? Rien, c'est juste que tu es venu nous rendre visite et... Ta mère, mon père et ma mère, tout le monde est à l'intérieur et... Tu es ici dehors. Je vais juste rester ici. Ou est-ce que c'est interdit? Non. J'ai ce chouette jeu que je veux te montrer. On pourrait y jouer ensemble. Allons-y. Je suis pas intéressé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas intéressé. David, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu affiches ce comportement? Je veux dire, tu es venu me voir. Écoute, je suis ici juste parce que ma mère me l'a demandé. Si ça ne dépendait que de moi, je ne serais pas ici. Je suis là par respect. Est-ce que tu fais ça à cause de ces sales et misérables filles au nom du Chini? S'il te plaît, ne crée pas un scandale ici. Et arrête d'insulter Chini. Elle ne t'a jamais insulté. Quand vas-tu arrêter cette haine à la con? Arrête de détester quelqu'un qui n'a rien à faire avec toi. Excuse-moi. Thank you.
Qu'est-ce qui ne va pas encore? Pourquoi Chili n'est-elle pas venue à l'école durant ces deux jours? J'espère qu'elle va bien. J'aurais aimé savoir où elle vit. Je serais allé la voir et savoir ce qui ne va pas. Cette situation m'embarrasse vraiment. Je ne me sens pas bien par rapport à ça. David. Whitney, s'il te plaît, je suis pas d'humeur. Je suis désolée, David. Je suis désolée. Ginny, c'est Ginny et Whitney, c'est Whitney. Je ne peux pas être elle et elle ne peut pas être moi. C'est juste que depuis un certain temps, tu la défends et ça m'a mise hors de moi et... S'il te plaît, redevenons des meilleures amies. S'il te plaît. Whitney, je n'ai jamais arrêté d'être ton amie. Tu as juste commencé à prendre... J'ai changé à présent. S'il te plaît, David. Alors, redevenons tes meilleures amies, je t'en prie. Ok. D'accord. Meilleure amie? Meilleure amie. Merci, je te verrai plus tard. D'accord. D'accord, je vous verrai plus tard. Comment c'était? Ça a marché. Je te l'avais dit. Hé, regarde là. Vous êtes vraiment chaud. Belle-fille. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Pourquoi t'es pas là à l'école aujourd'hui? J'imagine, n'est-ce pas? C'est terrible. Je le savais. Mais pourquoi est-ce que ta mère t'a mis dans ce genre de grande école, hein? Cette école, elle est chère, non? Ah, ce n'est pas la scolarité, oh. C'est monsieur le bailleur. On lui doit déjà 4 mois de loyer. Tu sais, grand-mère, elle ne va pas bien, elle est malade. Alors, je dois faire ça pour l'aider. Maman Okem m'a dit d'aller dans ce bâtiment incomplet à côté pour apporter ce bois chez elle. Nous avons besoin d'argent. C'est terrible, hein? Vous êtes déjà à 4 mois? Mm-hmm. Et ces 4 mois coûtent environ... Environ 12 000? Oui. Ah! Mais cette chose est lourde. Mais tu veux mourir? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne portes pas ça un peu? Je n'ai pas le choix, non. Laisse-moi vite aller le déposer chez maman, ok, s'il te plaît. Ah! Regarde. Essaie de me voir ce soir. Hein? Ne manque pas de me voir, tu as compris? Ok. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ok. Hein?
Ok, grand frère Diekou. Je vais t'attendre. Pas de problème. Hein? Merci. Grand frère Diekou, merci. D'accord. Prends soin de toi. Tamima, regarde, c'est beaucoup. Le travail est beaucoup pour l'argent que tu me donnes. Monica, je ne comprends pas ce que tu fais. Hein? Je t'ai donné ce travail la semaine dernière. Et tu es là à bégayer, je ne comprends pas. J'ai dit que j'allais te donner 1000 naira. Ah, regarde, hein? Regarde, je t'en supplie. Hein? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu m'aides à... ajouter quelque chose sur les 1000 naira que tu acceptes de me donner. Arrondi à 1500. 1500. Comme ça, je vais le faire pour ma cliente préférée. Monica, ne te fâche pas. C'est parce que tu es mon amie que je t'ai donné ce travail. Et c'est aussi ton état qui m'a poussé à te donner ce travail. J'ai d'autres personnes qui peuvent faire ce travail pour moi. Hein? Je t'ai donné ce travail depuis. J'ai des clientes qui attendent que je leur livre la marchandise. J'ai besoin de ces emballages pour vendre. Tu es là, ralentis mon travail. Tu me dis, ok, pas de problème. Je vais ajouter 200 naira à 5000 naira. Là, ça sera 1200. Je ne vais plus rien ajouter. Je vais te donner 1200 naira. Et je fais ça à cause de ton état. Et aussi à cause de cette petite fille dont tu t'occupes. Je t'en prie. Si ça ne te convient pas, je prends ma marchandise, je m'en vais. Non, ne les prends pas. On n'en est pas arrivé là. Comment tu peux les prendre? Tu ne vas pas les prendre, hein? Je vais le faire pour toi. Ok, donne-moi juste l'argent. Je vais te donner l'argent maintenant. D'accord. Parce que je ne veux pas entendre les histoires comme « je t'ai pas donné tout l'argent ». Regarde, que le ciel me soit témoin, je t'ai donné tout l'argent. Tiens, je ne veux pas entendre que je t'ai pas donné tout l'argent. Non, personne ne va rien. Monica. Ne t'inquiète pas, je vais faire le travail. Je t'ai dit de me donner l'argent pour faire le travail. Ok. Merci pour l'argent que tu m'as donné. J'aime quand tu me donnes l'argent. J'ai des clients qui m'attendent. S'il te plaît, j'ai besoin de ces emballages pour vendre. Pas de souci. Hein? Je le fais à cause de la relation que j'ai avec toi et le genre d'amour que j'ai pour toi et ta Dieu va fille. Te bénir. S'il te plaît, fais ça. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Merci. Merci, pardon, Dieu va te bénir pour cet argent que tu m'as donné. Hein. Dieu va te bénir, merci. Pour moi. Je vais la saluer. Hein. Dieu va te bénir, merci. Qu'il te bénisse aussi. Hey. Ah, waouh. Tout ce travail pour juste 1200 naira. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix, j'ai besoin d'argent. Je vais commencer le travail, je ne veux pas de problème. J'ai besoin d'argent. Pas de souci, Dieu est là. Dieu va m'aider. Voici 6000 naira ici. Ajoute, juste comme ça, tu pourras retourner à l'école. Hein? Grand frère Diekou, merci. Oh. Grand frère Diekou, merci. Pas de souci, pas de souci. Grand monsieur sera content. Pas de souci. Hey, hein? Jésus. Je t'ai dit, tout ce que tu veux, dis-le-moi juste. Hein? Je vais tout te donner. Tu sais que je t'aime. Je sais, merci. Ok. Laisse-moi rentrer, grand-mère m'attend, ok? Ok. Merci. Grand-père Diekou, merci. Oh. Que Dieu bénisse Diekou. Amen. Il ne manquera jamais. Amen. Oh. Ses affaires continueront de grandir de plus en plus. Amen. De gloire en gloire. Amen. De richesse en richesse. Amen.
Il sera l'un des plus riches et l'un des plus fameux. Amen. Ma fille. Maman. Que le bon Dieu continue de bénir Djoukou au nom de Jésus. Amen, oh, maman. Regarde l'argent. Hey. Ah. Au moins maintenant pourra payer le bailleur. Oui. Qu'il arrête de nous déranger et d'embarrasser ma grand-mère. Dieu va le bénir pour moi. Amen, maman. Hey. Dieu, merci. Oui, oh. Monica, que ça reste ainsi. Que ça reste ainsi, hein? Tu sais que je suis pas une personne à problème. Je ne veux pas que les gens commencent à dire que je suis méchant. Hein? Faut continuer ainsi, hein? Désolé de te le dire, mais tu m'as l'air pâle. Et on dirait que tu as perdu du poids. Tu es sûre que ça va? Je vais bien. Je vais bien. Alors pourquoi est-ce que tu ne venais pas à l'école? Je sais que tu caches pas mal de choses. Dis-moi, c'est quoi le problème cette fois-ci? C'est une très longue histoire, mais je vais bien. Je me porte bien. Chini, tu sais que nos examens approchent bientôt. Et tu ne devrais pas manquer les cours, peu importe la situation. Ok, bien. Allons-y. Je vais te parler de ça. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'essaie juste de lire cet chapitre. Est-ce que tu comprenais ce qu'on enseigne aujourd'hui en classe? Oui, un peu, un tout petit peu. Ok, c'est bien. C'est ma place. Dégagez. Excuse-moi. Je suis sûre que vos oreilles fonctionnent encore. Et vous avez très bien entendu. Je ne comprends pas. Donc, chacun a un espace spécial dans cette école? Ferme-la et occupe-toi de tes affaires. Dégagez. Et si je ne le fais pas? Et si tu ne le fais pas? Va-t'en. Mais arrêtez de vous battre! Je suis désolé pour ça. Elle a vraiment dérapé cette fois-ci. Mais Ginny, je continue de croire que tu n'aurais pas dû la combattre. Qu'est-ce que tu dis, David? Qu'est-ce que tu dis? Je n'aurais pas dû combattre Whitney? Elle a failli déchirer ma tenue de classe et tu me dis que je n'aurais pas dû la combattre? Pour l'amour de Dieu, je ne mérite pas d'être dans cette école. Non, dis-moi, je ne mérite pas d'être dans cette école, David. Si je ne méritais pas d'être ici, je ne serais pas ici en premier lieu. Pourquoi est-ce qu'elle me pourrit la vie? Ginny, tu mérites tout et encore plus. Mais ma seule crainte est que si ça continue à se produire, l'école va vous renvoyer tous les deux. Et ça ne sera pas bien. Écoute, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Whitney n'a aucune idée des souffrances que je traverse chaque jour de ma vie. Tous les jours de ma vie, je sais ce que je traverse.
Tous les jours de ma vie, je sais ce que je traverse. Elles n'ont aucune idée de ça. Elles n'en savent rien de ça. Jimmy, écoute. Écoute. J'ai juste une faveur à te demander. Tu dois l'avertir. Tu es le seul proche de Whitney que je connaisse. Qu'elle reste loin de mon chemin. Dis-lui de rester loin de mon chemin, David. Comment tu peux? Non, mais c'est quoi ton problème? Une fois encore, tu t'es battu à l'école après nos avertissements. Maintenant, tu as été suspendu de l'école. Est-ce cela ce que tu souhaites pour toi-même? Mon cœur, c'est... Non. Ne me demande pas de me calmer quand elle passe son temps à dépasser les bornes. Et toi, tu ne fais rien. Tu ne fais que la couvrir. Tu ne le vois pas? Je suis là à lui parler. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est la tenue avec ses mains dans les poches. Papa, je la ferme. Si tu essaies de dire un mot, eh bien, je vais te battre comme un serpent. Désolée. Ne sais-tu pas que tu as un nom à préserver? Et toi, tu ne fais que ternir l'image de notre famille en public. Où est-ce que tu as pris ça? Où? Mon cœur. Mon cœur, s'il te plaît, calme-toi. Je vais lui parler, s'il te plaît. Tu ferais mieux de commencer maintenant. Je le ferai. Parce que c'est la dernière fois que je parlerai encore de ce problème. Sinon, je vais lui apprendre comment bien se tenir. Je le ferai. Ma puce. Ma puce, est-ce que tu t'es encore battue à l'école? Jésus-Christ. Aïe. Ne le refais plus, ok? Je suis en train de partir. Je pardonnais ça. D'accord. Je ne mettrai pas long. Ginny? Ginny. Grand frère Diego, bonjour. Tout le temps grand frère. Je te dis, je ne m'appelle pas grand frère. Je m'appelle Diego. Ok. Dis-moi, comment tu vas alors? Je vais bien. On dirait que tu pars déjà au travail. Je ne vais pas aller au travail aujourd'hui. Toi aussi, pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Un problème encore? Il n'y a pas de problème. J'ai été suspendu. Suspendu? Mais pourquoi? Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est une longue histoire, mais je vais bien. Je t'ai dit tout ce que tu veux. Dis-moi, hein? Je vais tout te donner. Tu entends? Ok. Grand frère Diego, s'il te plaît. Pardon, désolé. Diego, je vais retourner à l'intérieur. Maman m'a dit d'arranger la maison. Elle revient tout à l'heure. Alors, laisse-moi aller continuer ce que... Aïe! Belle fille. Jolie fille. Non, campe Diego, Diego, laisse-moi, campe Diego, laisse-moi. Dieu va te punir. Maman. Diego, Dieu va te punir. Tu n'auras que le malheur. Stupide garçon. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Il ne t'a pas blessé. Non. Désolée. Désolée. Pauvreté. Pauvreté.
Pauvreté, je te maudis. Je te maudis, toi et la misère, je vous maudis. Si ce n'est pas que je suis rentrée pour mon porte-monnaie. Donc c'est comme ça que Diego aurait pris avantage de ma vie et l'aurait détruite. Pauvreté, pourquoi? 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, ça va aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, ça va aller, ok? Ça va aller. Dieu merci, la police est déjà occupée de lui. Il est déjà en prison pour son crime. Et crois qu'il était mon grand frère. Il était toujours là pour moi. Je ne pouvais pas croire qu'il pouvait me faire un truc pareil. Les humains. On ne peut jamais faire confiance aux humains. Pas du tout. Diego. Diego, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Diego, pourquoi? Pourquoi? Maman, ça va aller. C'est bon. Hey. C'est bon. L'intérieur. Hey. On a beaucoup passé de temps. Hey. Maman, regarde-toi, regarde-toi. Ah, tu as l'air tellement solide. Même toi, tu as bonne mine. Tu m'as tellement manqué, maman. Tu m'as aussi manqué. Tine, tu m'as aussi manqué. Écoute, merci beaucoup, ma fille. C'est grâce à la dernière fille de Mamima. Amaka. Amaka. Cette fille est une très bonne fille. Une très gentille fille. Elle a été merveilleuse. Elle venait m'aider de temps en temps. Elle faisait les travaux ménagers, puisait de l'eau et tout le reste. Maman. Tout ça, je t'assure, elle m'a été d'une grande aide. Pas étonnant. Regarde. Maman. Ne t'en fais pas. Maintenant, il est temps pour moi de trouver un très bon travail. Oui. Et je vais prendre soin de toi. Et nous devons compenser Amaka. Oui, tu parles d'Amaka. Oui, non, Amaka. Bien, je te fais confiance. Oui, oh. Et je sais ce que tu peux faire. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu vois le Dieu que je sers, il va te donner un très bon job. Celui avec lequel tu seras très confortable. Bien payé pour que tu t'occupes de toi-même. Oui, oh. Et tu connais le reste, n'est-ce pas? La prochaine étape, le mari. Maman, le bon mari viendra. Maman. Un bon mari qui t'aimera et te chérira. Amen. Qui prendra soin de toi. Amen. Et prendra soin de moi. Et me donnera de petits enfants. Oui, oh. Arrière-arrière-petit-fils. Arrière-arrière-arrière-petit-fils. Oui, tout ça. Maman. Hey, tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Oh. Regarde-toi. Les joues sont ressorties. Maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ça fait du bien de vous voir tous les deux ici. Nous sommes vraiment contents. Whitney,
Oui, maman. David, nous sommes fiers de vous. Bienvenue. Oui, nous sommes fiers de vous deux. Merci, maman. Merci, papa. Merci, madame. Merci, monsieur. Mais David, je me demande pourquoi ta mère a refusé de rentrer au pays. Oh. Je veux dire, elle veut devenir américaine maintenant. Allez, chérie, permets à cette femme de se reposer. Oh. David ici est maintenant un adulte. Il est capable de gérer les problèmes de la société et les affaires qui s'y trouvent. Ok? C'est ce que la mère de David a cessé de nous dire là-bas en Amérique. À présent, David peut prendre la relève. C'est comme ça que c'est censé être. Son père était une bonne personne et c'était un travailleur aussi. Alors, un lion engendre un lion, n'est-ce pas? Ok. Manière de table. Mais comment se fait-il qu'aucun de vous ne raconte comment se passent les choses là-bas en Amérique? Tu n'aimerais pas le savoir, mais Whitney le sait. Je préfère que ça vienne de David. Excusez-moi. Nous sommes à table. Nous pouvons laisser ça pour un autre jour. Alors soyons concentrés. D'accord? Manière de table. Pensez-y. Chérie, ils ne doivent pas jouer sur notre intelligence. Manière de table. Ah, c'est bon. Que crois-tu faire, David? Ne penses-tu pas que ta mère sera très en colère après toi? Pourquoi? Pourquoi? Tu as laissé le bus de l'école et aussi ton chauffeur. Et tu es ici avec moi. Je veux d'abord connaître ta maison avant autre chose. Tu ne peux pas connaître ma maison, c'est impossible. Ma grand-mère ne sera pas contente. Je veux juste savoir où tu vis afin que, si jamais tu ne viens pas à l'école, je peux venir te rendre visite. Et qu'en est-il de ta mère? C'est ma mère. Je pourrais toujours la gérer. Je veux juste savoir où tu vis. Ok, bien. Je te promets, je ne manquerai plus les cours. Plus jamais. Je te promets. Promis? Je le promets. David, s'il te plaît, ne me suis pas. Rentre chez toi. Je ne veux pas les ennuis. D'accord. Je vais partir. On se voit à l'école lundi. D'accord. Bye bye. Bye. J'aurais aimé la revoir encore. Elle me manque tellement. Revenir au pays rend les choses toutes fraîches à nouveau. Je n'aurais pas dû partir comme je l'ai fait. Mais je n'avais pas de choix. Maman me pressait de voyager comme Whitney devait aussi voyager pour obtenir sa licence. Les choses se sont passées si vite. Oui, c'est vrai que mon éducation là-bas comptait, mais j'aurais dû l'informer que je voyageais. Elle n'est même pas sur Facebook ou sur Instagram. Ça aurait été facile pour moi de la localiser. Oh.
Ara akanka koro chineke mao. Kamarama. Kamaramaka. Maman. Je suis prête. Comment tu me trouves? Hi. Ok, ben moi. Oh, malijama. Eh, mama. Anya wotutumo. Anyanja fuzo. Mama. Écoute, écoute, laisse-moi t'apprécier. Ok. Parce que tu es les yeux que j'utilise pour voir. Merci, maman. Ma fille, ma. Tu es extraordinaire. Merci. Va là-bas. Je sais et je suis très sûre qu'ils n'ont aucune raison de te rejeter. Oui, je suis certaine que tu vas être choisie. Amen. Oui. J'ai vraiment hâte de nous sortir d'ici. Ah, ah. J'ai hâte de nous donner une très meilleure vie, maman. Ah. Oui, ma fille. Je te fais confiance. Je sais ce que tu peux faire. Maman, pardon. Laisse-moi aller à l'intérieur porter mes chaussures et mon sac. Je vais pas être en retard. C'est bon. Écoute, fais vite tes pas. Ok, oh. Quand tu arriveras là-bas, montre-leur la fille de qui tu es. Oui, oh, maman. Quand on te pose des questions, regarde-les dans les yeux et réponds sans aucune crainte. Tu n'as peur de rien. N'aie peur de rien. Montre-leur la fille de qui tu es. Donne-leur une réponse à une autre, une question, une réponse. Allez. Allez, viens partir. Maman, attends, j'arrive en retard. Oui, maman. Allez, viens commencer à partir. Oui. Donne-leur une réponse à l'autre. Question, réponse. Oui. Ah, oh, moi, moi, bon. Hey. J'irai à la maison plus tard aujourd'hui. Ok. Ok. Cela veut dire que je ne vais pas te manquer ou quoi? Whitney, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour ça. Nous sommes encore très tôt le matin. Je ne suis pas d'humeur. Et alors? Au fait, écoute-moi, Whitney, non, écoute, toi, écoute-moi. Toi, écoute-moi. David, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Une minute, tu es fou amoureux de moi. Subitement, tu es quelqu'un d'autre. Ta petite amie a dit qu'elle partait, pour l'amour de Dieu. Tout ce que tu pouvais dire, c'est ok. Qu'est-ce qui est arrivé à bébé? Tu vas me manquer. Bébé, s'il te plaît, peux-tu rester plus longtemps? Au moins, fais quelque chose de romantique pour une fois. Comme je te l'ai dit, il se fait encore très tôt. Et je ne suis pas d'humeur. Je suis en retard pour le travail. David, reviens ici. Si tu sors de cette chambre... Et il est parti. Mon amour. Oui, mon cœur. Est-ce que tu sais que avoir mis ensemble David et Whitney est la meilleure décision qu'on ait prise? Je suis d'accord. Ils ont l'air tellement amoureux. Ah, eh bien, je suis aussi fier de ça. C'est juste que je ne sais pas pourquoi David est encore en train de perdre le temps pour le projet de mariage et de venir nous le présenter directement. Moi aussi. Mais tu sais que ce gars est intelligent. Oui, je crois qu'il prend son temps pour planifier un mariage parfait. Bien, je l'espère. Je le crois. Ok, cela me revient. Est-ce que tu as pu rassembler les preuves concernant le cas d'Abaneros? Oui, j'aurai une réunion avec le personnel ce soir. Voyons voir ce qui va en sortir. En fait, je vais toujours gagner. Sans doute. Oh oui, le meilleur avocat. Bien sûr. Alors, trinquons à cela. Vraiment, excusez-moi, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Ginny, je suis vraiment désolé. Je n'avais jamais su que ma mère avait de tels plans pour moi. Tout est arrivé après notre examen final. Avant que je ne puisse dire un mot, j'étais déjà en Amérique en train d'étudier. Ginny, mais
Je ne t'ai jamais oublié, même pas une fois. J'ai essayé de te chercher comme je pouvais. J'ai essayé même dans les réseaux sociaux. Twitter et Instagram et Facebook. Il n'y avait personne pour m'aider à te joindre. Je ne t'ai jamais aussi oublié, David. Honnêtement, bien que j'ai essayé de te joindre maintes fois, mais en fait, ton numéro ne passait pas à un point, alors j'ai dû aller de l'avant avec ma vie. Alors, je devais juste tourner la page. J'avais des problèmes avec ce numéro. Alors, je l'ai abandonné. Oh. Ginny, tu ne sais pas à quel point je suis content de te voir. Je ne te laisserai plus jamais partir. Désolé. La même Whitney. Ginny, je suis désolé. Tu sais que nos parents sont des amis d'enfance. Ils ont fait tout leur possible pour qu'on soit ensemble. Je suis allé en Amérique parce qu'elle était la seule que je connaissais là-bas. Et maintenant que je t'ai trouvé, il est temps de la mettre au courant de ma décision. Ginny, tu es la seule que j'ai aimée. S'il te plaît, menons cette bataille ensemble. J'ai besoin de toi. Ah! Essayes-tu de dire que... le directeur de la société... était ton ami d'enfance? Ça veut dire que tu as eu le boulot? Maman, ce n'est pas aussi facile comme tu veux le faire paraître. Oh. Il ne veut pas que je travaille pour lui. Ah ah! Pourquoi? Il est amoureux de moi. Maman, David a été là pour moi depuis que nous étions au secondaire. Il est l'une des personnes que je n'ai jamais vues, ni jamais rencontrées de toute ma vie, maman. Et il n'a pas changé, même pas un tout petit peu. Maman, et je pense que je l'aime aussi. Bien que ça ne sera pas aussi facile. Comment? Je ne t'ai pas bien entendu. De quoi est-ce que tu parles? Whitney, tu m'as entendu. Je ne peux pas continuer comme ça. Souviens-toi que je ne voulais pas le faire, mais tu m'as forcé à le faire. Écoute, j'ai terminé. Tu es fou? Es-tu vraiment sérieux là maintenant? Sais-tu combien d'années j'ai investi dans cette relation? Et maintenant tu veux y mettre un terme? À cause de toi, je n'ai accepté les enfants d'aucun homme aux États-Unis. David, tu ne peux pas rompre maintenant. Il n'y a jamais eu de nous. Je le faisais juste à cause de ma mère. Mais maintenant, j'ai grandi et je sais ce que je veux. Je suis désolé si on a dû se blesser, mais je suis désolé. C'est fini. Non. Excuse-moi. Non, David! Qu'est-ce qui se passe? Maman, David a rompu avec moi. Pourquoi? Je ne sais pas, mère. Il y a quelque chose qui cloche, Calme-toi, calme-toi, mon cœur. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, ok? Je vais appeler sa mère et lui demander de lui parler. C'est bon. Ma fille, ça va. Calme-toi, ok? Il ne fera jamais une chose pareille. Calme-toi. Oh mon Dieu, c'est bon. Ça va aller.
Est-ce qu'il a décroché? Non, il n'a pas décroché. Maman, il ne répond pas à mes appels. Pourquoi est-ce que David me fait ça? Est-ce que c'est parce que je l'aime beaucoup? C'est bon, ma fille. Mais pourquoi est-ce qu'il... Ça suffit, calme-toi. Je crois qu'il va revenir à la raison, ok? J'ai parlé avec sa mère. Il ne peut pas désobéir à sa mère, ok? Détends-toi. Maman, il ne décroche pas mes appels. David ne décroche pas mes appels. C'est bon, ça suffit. Calme-toi. Calme-toi. Whitney. Il va sans doute changer d'avis, ok? C'est bon, c'est bon. Ginny. Ginny, je t'ai déjà tout dit. Je t'ai promis de ne plus jamais te laisser. David, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le problème. Tu es fiancé. Et tu es sur le point de te marier à Whitney devant tout le monde. Pour l'amour de Dieu, je ne suis pas prête pour tous les ennuis qu'elle m'a donnés au secondaire. Ginny, j'ai déjà mis fin à cela. À l'époque, je le faisais juste à cause de ma mère. Maintenant, je sais ce que je veux. Et c'est avec toi que je vais être. Je t'aime. Et tu as dit que tu m'aimes également. Oui, je sais. Je t'ai dit que je t'aimais. David, Whitney ne te laissera pas partir facilement. Elle ne le fera pas. Elle va combattre jusqu'à sa dernière énergie, et tu le sais. Alors pourquoi est-ce que tu forces? Ginny, l'amour, c'est le sacrifice. Et l'amour vient avec beaucoup d'autres choses. Parfois, l'amour est beau, parfois, l'amour est douloureux. Mais ce qui arrive à la fin, c'est ce qui compte. S'il te plaît, ne nous détruis pas. Je ne pourrais être heureux avec quelqu'un d'autre si ce n'est toi. S'il te plaît. Ha 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 ha!
Ish, cet endroit pue. Tu sais quoi? Si j'avais l'occasion, je t'aurais tué. De quoi est-ce que tu parles? N'essaye pas de faire l'idiote avec moi. Essaies-tu de me dire que tu ne sais pas que David et moi nous sommes fiancés et qu'on se marie bientôt? Alors comment se fait-il que tu aies eu le cran de te rapprocher de lui? Avec ton niveau aussi bas, tu n'appartiens pas ici. Pourquoi est-ce que tu m'attaques en premier lieu, Whitney? Pour l'amour de Dieu, David est un homme. Et il a le droit d'avoir ce qu'il veut et être avec la personne qu'il veut. Être avec lui dans... Ferme-la! Ferme-la, Ginny! Ferme-la! Écoute, je te préviens, si tu ne t'éloignes pas de David, je vais mettre feu à ton existence sur Terre. Si tu ne t'éloignes pas de David, je vais te tuer, Ginny. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand je dis quelque chose, je le fais. Oui. Si tu ne t'éloignes pas de David, je vais te tuer. Et tu vas rejoindre tes parents en enfer. Ça, c'est si tu en as. Ce n'est pas une menace. Je te le promets. Ish. Alors, il croyait que c'était le cas, que je ne maîtrisais pas du tout la situation. Et je lui ai dit, d'accord, c'est compris. Tout ce que je lui ai dit, c'est que j'aurais pu préparer le dossier du cas et tout le reste. Whitney ! Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? C'est quoi le problème ? Monsieur, s'il vous plaît, mettez votre fille en garde de rester loin de moi et de tout ce qui me concerne. Comment peut-elle aller menacer une fille innocente en lui disant que si elle ne me laisse pas, elle va la tuer ? Qu'est-ce que c'est normal? David, peu importe ce que c'est, s'il te plaît, nous allons régler ça. Maman, j'ai dit à votre fille que je ne l'aimais pas. Qu'elle le respecte et qu'elle aille de l'avant. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Écoutez, la prochaine fois qu'elle va menacer Ginny, elle aura de mes nouvelles. Je respecte cette famille et c'est la raison pour laquelle je suis venu vous supplier de conseiller votre fille. Excusez-moi, s'il vous plaît. David! Tu vois pourquoi je n'étais pas du tout d'accord avec cette idée. Maintenant, regarde un peu ce qui arrive. Je crois que quelque chose ne va pas quelque part. Bien sûr, quelque chose ne va pas quelque part. Quelque chose ne va pas quelque part. Voilà pourquoi David a eu le toupet de venir ici et de raconter des bêtises. Quelque chose ne va pas. Je vais arranger ça dès que possible. Oh, et cette fille, elle a dit qu'elle voulait me montrer quelque chose. Maman. Tu sais que je t'ai dit que je voulais te montrer quelque chose. Ouais. C'est une robe que je voulais acheter. Maman. Ma chérie. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Chenet. Maman. Voilà ta mère. Maman, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que je t'ai offensée. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ma mère? Ta mère. Tu veux dire ta fille? Qui... m'a laissé. Qui t'a laissé, maman? Ma chérie, je ne l'ai pas fait. Je ne vous ai pas laissé. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, ma chérie, pardonne-moi. Je t'en prie, maman, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardon, chérie, pardon. Est-ce que tu ne voulais jamais m'avoir? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Pourquoi m'as-tu laissé, maman et moi? Non, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Maman et toi, je vous aime tellement. Jusqu'à présent, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Au départ, ce n'était pas dans mes plans de t'abandonner.
C'est juste que j'ai été enfermée à l'étranger pendant plusieurs années. Oui. Et je n'avais aucun moyen de vous joindre. Et même si je l'avais fait, qu'est-ce que j'allais dire à maman? Elle n'a pas su que j'étais partie. Et puis elle apprend que je suis en prison. Maman allait être brisée. Et elle allait croire que je l'ai déçue. Et j'ai cru qu'elle n'allait pas le supporter. Parce que je voulais qu'elle prenne soin de toi pour moi. Qu'elle prenne soin de toi pour nous. Je suis vraiment désolée. Pourquoi étais-tu en prison pour commencer? Je voulais changer notre histoire. Je voulais nous sortir de cette pauvreté pour que nous soyons heureuses. J'étais tellement désespérée. Mais je crois que j'ai pris le mauvais chemin. On m'a arrêtée avec une drogue dure et j'ai été emprisonnée. Oui. Je n'aurais jamais dû partir. En ce moment, tu devais être avec ton père et ta sœur jumelle. J'ai une sœur jumelle. Et un père? Oui, tu en as une. Je vais retrouver ton père et je vais t'amener là-bas. Nancy! Maman, je suis désolée de ne t'avoir pas dit que j'ai eu des jumelles. Il y avait beaucoup de choses en jeu. Je vais tout vous raconter maintenant. Tout. Je vais tout vous expliquer. S'il vous plaît. J'ai l'impression que ma barbe pousse. Ça augmente. Je vais les arracher l'un après l'autre. D'accord. Médecin fait. Bonjour, monsieur. Max Smith. Bonjour, madame. Qui a-t-il? Monsieur, il y a une belle dame. Avec notre belle-fille. Elles sont venues à deux. Elles ont dit qu'elles veulent vous voir. Elles sont dehors. Est-ce qu'elles ont donné leur nom? Non. Non, elles n'ont rien dit. Elles ont seulement dit la raison pour laquelle elles veulent voir le patron est très très importante. Est-ce que nous attendons quelqu'un? Eh bien, ça peut être l'une de ces personnes qui est à la recherche d'un avocat pour l'aider pour des cas difficiles qu'il rencontre. Mais ils auraient dû venir à ton cabinet au lieu de venir chez nous. Chérie, tu ne connais pas à quel point ils sont désespérés. Faisons-le d'abord venir avant de les juger. Max Smith, monsieur, laisse-les entrer. Laisse-les entrer, oui. Laissez qui entrer. Papa? Ah oui, nous attendons quelqu'un. Eh bien, ça pourrait être l'une de ces personnes qui sont à la recherche d'un avocat. Ne sommes-nous pas avocats, ta mère et moi? Papa, tu dois aller doucement avec tes cas, s'il te plaît. D'ailleurs, peu importe ces gens, ils auraient dû partir au cabinet. Pas chez nous. Qu'est-ce qu'ils cherchent ici? Je sais. Donnons-leur d'abord l'opportunité de nous voir, puisque nous ne savons pas qui ils sont exactement. Hey! Toi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Nancy? Oh mon Dieu, ça fait du bien de te voir. Comment vas-tu? Sois la bienvenue, ma chérie. Mon cœur. Oui, mes chers, soyez la bienvenue. Wow! Maman, est-ce que tu les connais? Oui. Nancy était notre ménagère avant que tu ne naisses. Bien, là je comprends. Madame, je suis désolée. Ginny, voilà ton père. Hein? Oh, Nathan! Monsieur, j'ai eu des jumelles.
et j'ai décidé de garder une avec moi. Quoi? Ce jour, j'étais en service comme d'habitude. Monsieur. 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 Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Comme ça, vous pourrez aller dormir. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Ok, levez-vous. Debout. Comme ça, vous pourrez aller dormir. Où est-ce que je suis? Venez, je vous raccompagne à votre chambre. Je suis bien ici, allez. Vous avez besoin de repos. Ah, c'est bien. Hein? J'espère que tu ne l'as dit à personne. Non, tu ne l'as pas fait? Bien. Je ne veux vraiment pas que quelqu'un soit au courant de ça, ok? Bien que je ne sois pas fier de ce que j'ai fait, mais je voudrais vraiment prendre l'entière responsabilité. Et j'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, Nancy. J'ai besoin de ton aide. Comment, monsieur? Ok. Tu vois, bien sûr que tu sais que ma femme et moi, nous sommes mariés depuis 7 ans sans avoir d'enfant. Donc, je voudrais vraiment que tu gardes ces bébés. Et je vais t'aider à reprendre ton pied. Écoute-moi. Je vais t'aider à reprendre ton pied, au point où tu iras quelque part et tu mettras au monde ces bébés. Je vais te donner 2 millions de naira pour que tu commences une affaire et que tu prennes soin de tes enfants et ce bébé. Bien sûr, je vais m'arranger afin que, avec toi, afin que tu puisses amener l'enfant dans un orphelinat. Où ma femme et moi viendrons pour une adoption et je vais en parler à ma femme. Lorsque je vais le dire à ma femme, elle va accepter tout ce que je suis en train de lui dire. Ok? Ensuite, nous viendrons. Adopter l'enfant légalement. Et toute cette histoire va s'arrêter là. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide et je veux que ceci reste un secret entre toi et moi. Est-ce que tu vas m'aider? Monsieur... Ok, écoute, je vais te donner 3 millions de naira. 3 millions de naira seront assez. Alors s'il te plaît, Nancy, aide-moi. Je t'en prie. Est-ce que tu vas m'aider? Je vais le faire. Merci. Merci beaucoup. Allez, vas-y, hein? Vas-y, vas-y, vas-y. Mon cœur. Es-tu sûr que tout va bien avec elle? Eh bien, la dernière fois qu'elle m'a parlé au téléphone, elle m'a dit que tout allait bien. Elle n'a émis aucune plainte pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Mais comment a-t-elle pu partir? Juste comme ça, sans dire un mot. Tu sais comment les gens peuvent changer. Pourquoi j'ai ce sentiment bizarre? Nancy est une bonne fille. Si elle ne voulait plus travailler ici avec nous, au moins elle nous l'aurait dit. On aurait fait des plans pour elle et l'a réglée. Hein? Je voulais lui donner quelque chose, même si c'est une petite affaire ou autre chose. Hein? Mon cœur, je ne voudrais pas qu'on se dérange pour ça encore et encore. Je crois qu'elle va bien. Alors, un jour, juste un jour, elle reviendra vers nous. Ok? Je n'arrive pas à croire ça. Chérie, tu sais qu'on a ce dossier qui est sur la table, ok? Oublie ça. Je vais l'appeler. Nancy, pourquoi? Nancy, pourquoi m'as-tu fait une chose pareille? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qui en est responsable? Maman, je suis désolée. Ce n'était pas de ma faute. Tu es désolée. Tu es désolée. Non, si. Donc, c'est de ma faute. Donc, c'est maintenant de ma faute que tu as été enceinte. C'est ce que tu dis? Qui est le responsable? Je te demande, qui est le responsable? Maman, je suis désolée. Pardon. Je suis désolée. Pardon, maman. Nancy, ce que je te demande, c'est qui est le responsable? Qui t'a mise enceinte? Dis-moi, qui est-ce? Nancy,
Gabugouadio, je vais te tuer de mes propres mains si tu ne me dis pas qui est responsable de cette grossesse. Nancy, qui est responsable? Nancy! Hein? Rassure-toi de ne pas revenir dans cette maison. Si tu ne veux pas me dire qui t'a donné cette grossesse, rassure-toi de ne pas revenir par ici. Espèce d'idiote. Aïe, n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevé, oh. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevé, oh. Ce n'est pas comme ça, Seigneur. Oh, mon Dieu. Où a-t-elle bien pu aller? Hey, je n'étais pas sérieuse quand je la chassais, oh. J'essayais juste de l'effrayer comme ça. Elle aurait peur et elle me dira qui l'a enceintée. Oh, Nancy, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu allée? Reviens, s'il te plaît. S'il te plaît, reviens à la maison. Reviens, s'il te plaît. Hey, mon Dieu. Comment vous vous sentez maintenant? Je me sens mieux maintenant. C'est bien. C'est bien. Vos jumelles se portent vraiment très bien. Deux jolies filles. Franchement, mes félicitations. Je suis content pour vous. Et dans quelques temps, l'infirmière va vous amener vos bébés. Merci, docteur. Ok, je vais devoir vous laisser. Prenez soin de vous. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi. S'il vous plaît. Il y a une chose très importante que je voudrais vous demander. Et si vous m'accordez cette faveur, je serai la personne la plus heureuse dans ce monde. Et même s'il faut que je vous paie, je vais le faire. Mais cette requête est très importante pour moi. S'il vous plaît, aidez-moi, docteur. Mon cœur. Oui. Je sais que ça va faire 7 ans que nous sommes ensemble. Mais nous pouvons encore essayer. Je sais qu'on a toujours essayé. Ok? Je t'ai dit que je ne voudrais pas que ceci continue à être comme un poids pour nous. Nous allons réussir. Ok? Je suis même en train de penser qu'on devrait considérer le fait d'adopter un enfant. Peut-être que ce serait une porte, tu sais, pour nous de commencer à faire nos enfants. Ceci par le biais d'une connexion. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que c'est dur, mais je veux juste que toi et moi nous regardions la raison. Ok. Dans ce cas, ça devrait être une petite fille. Oui. Pour moi, le sexe de l'enfant n'est pas un problème. Surtout si cela est très important pour toi. Bébé, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Dieu merci, le docteur a accepté de garder le secret et il a dit à tout le monde que j'ai eu un enfant. Comme ça, je pourrais garder un pour moi-même. Il faut que je parte d'ici très rapidement avant que quelque chose n'arrive à mon enfant ou bien qu'on me démasque. Je crois que je dois accepter cette offre de voyage pour l'étranger de Madame Claire. Elle a l'air d'avoir de bonnes relations et d'être riche. Je vais faire mes papiers et le reste d'argent. Je vais le réserver pour mon Maïchi,
comme celle pourra l'utiliser pour prendre soin de mon enfant. Et avant un an, je serai de retour au pays pour prendre soin d'elle, essuyer ses larmes. Je vais anéantir cette pauvreté et la faire sourire. Et je vais récupérer tout ce que mon oncle lui a arraché. Ifanamana moine kuife. Et Dieu est là. Je vais récupérer les biens de papa qu'ils nous ont arrachés pour les donner à ma mère. Et nous serons à nouveau heureux. Maman, je suis désolée, mais je dois le faire. Je dois le faire pour nous. S'il te plaît, prends soin de Chini et de toi-même. Ça ne sera pas facile, je le sais. Mais je vais te faire sourire en fin de journée quand je vais revenir. Je suis désolée, maman, mais je dois partir. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, les choses étaient complètement différentes de ce que Madame Claire avait eu à me dire. Je me suis retrouvée dans un autre monde parce que je n'avais rien sur moi. J'étais vraiment désespérée. Alors, j'ai accepté, j'ai décidé de dealer. On m'a tendu un piège et on m'a enfermée. Madame, je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas vous le dire parce que j'ai fait la promesse à monsieur de garder le secret. Ginny, voilà ton père biologique. Et je suppose que voilà ta sœur jumelle. Toutes les deux, vous avez la même marque de naissance derrière vos bras. Cette fille est ma sœur. Je n'arrive pas à y croire. Non, je suis vraiment confuse en ce moment. Nathan, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ici, maintenant? Ah, oui. Je suis vraiment désolé, Stella. Je ne savais pas que les choses allaient prendre cette tournure. Vraiment désolé de t'avoir caché ça. Durant toutes ces années, ce n'était pas intentionnel. C'était juste comme hier. Je veux dire, je ne m'attendais pas, je ne savais pas qu'elle avait des genoux. Épargne-moi ça. Désolé, Stella, je suis vraiment très désolé. Épargne-moi ça. Nathan, tu as pu me cacher une chose pareille. Tu savais à quel point j'aimais cette fille. Oh mon Dieu. Je ne savais pas quoi faire. Nathan, non. Si tu as pu me faire ça, je ne te ferai plus jamais confiance. Non, je ne vais pas supporter ça. Je ne le ferai pas. Je t'en prie, aide-moi. Non, je ne peux pas. Je ne vais pas accepter ça. Maman. Non. Maman, si ton père a pu me cacher ce secret pendant si longtemps. Non. Je t'en prie, Stella. Maman, s'il te plaît. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Madame, s'il vous plaît. Stella, je suis désolé. Madame. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai complètement foiré cette fois-ci. Mais je ne peux pas me rattraper sans toi. Je suis vraiment désolé de t'avoir caché ceci pendant toutes ces années. Ce n'était pas intentionnel. Je suis sincère. Non. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Souviens-toi de nos moments passés ensemble. S'il te plaît, maman. Je n'ai pas imaginé ceci. Maman. Merci. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Merci beaucoup.
J'aurais aimé qu'il existe un mot mieux que désolé. Je l'aurais dit un millier de fois. Je suis vraiment désolée pour tout, Ginny. C'est bon, Whitney. Tu l'as dit tellement de fois. Je t'ai entendu, c'est bon. Ça ne suffit pas. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste une sœur avec qui je pouvais partager des choses, jouer avec et lui parler. C'est pour ça que j'avais besoin de l'attention de David, parce qu'il était l'ami le plus proche. Mais ce que je cherchais était tout juste devant moi, mais je ne pouvais pas le voir parce que j'étais tellement aveugle. Je suis vraiment désolée. Chaque chose arrive pour une raison, tu sais. C'est quelque chose que ma grand-mère m'a toujours dit. Alors, c'est bon. Ok? Comment va David? Il va bien. Il a fait sa demande. Il a fait sa demande? Oui. Je suis si heureuse pour toi. Merci. Merci. Félicitations. Merci. Je suis contente qu'on ait fait la paix maintenant. Bien sûr, moi aussi. Oui, nous sommes des sœurs. Des sœurs jumelles. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.